Voici le monastère de Rila, l'un des principaux sites culturels et religieux de Bulgarie. Il a été construit à plus de 1100 mètres d'altitude dans le massif montagneux de Rila. Découvrons ensemble son histoire, son architecture et certains de ses secrets. Fondé au Xe siècle, le monastère de Rila est le complexe orthodoxe oriental le plus grand et le plus renommé de Bulgarie. Son architecture saisissante est considérée comme un chef-d'œuvre du style néo-national bulgare, typique du début du XIXe siècle, lorsque le monastère a été reconstruit après un incendie. La façon dont sont construits les murs avec des arcs et des couleurs, et l'utilisation de la pierre et du bois, c'est une combinaison unique entre la construction traditionnelle et l'influence principalement de l'Europe occidentale. Le monastère a été fondé par saint Jean de Rila. Sa demeure ascétique et sa tombe sont devenus un lieu saint et ont été transformés en un complexe monastique. Le monastère abrite aujourd'hui 7 moines qui sont les gardiens de l'histoire impressionnante et de l'art orthodoxe du monastère. Ces magnifiques fresques montrent différents moments de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a un endroit très spécial dans le monastère, c'est la bibliothèque. Voyons pourquoi. La bibliothèque du monastère de Rila possède des livres uniques, rares et extrêmement précieux, datant du Xe siècle à nos jours. Bien qu'il soit l'un des principaux sites touristiques de Bulgarie, le monastère a conservé son atmosphère tranquille, construite autour de la vie quotidienne des moines.